La famille est le refuge des vies contraintes et l'éducation des enfants console de l'amertume du quotidien. Sidi Mohamed s'occupe constamment des siens et le petit Moulay Hassan, à l'intelligence vive et précoce, est élevé avec tout l'amour que suscite son charme. Et la sévérité qui fait admettre les erreurs sur un carnet, car on peut comprendre les accidents, et sanctionne les notes médiocres, car il n'y a pas de place pour la négligence dans le futur d'un prince. Entre les gouvernantes alsaciennes qui dragonnent gentiment la marmaille et le jeune père tellement affectueux, la vie des enfants est heureuse et chacun est à sa place. À l'abri des regards de la résidence, Sidi Mohamed peut s'accorder les moments de détente d'un homme de son temps, bien différent de l'image officielle qui le protège de ses protecteurs. À la piscine du palais, il faut seulement veiller à ce que Moulay Hassan ne fasse pas trop de vagues et apprendre aux petites à nager en toutes circonstances.